Là, je vais déclencher le chrono intermédiaire pour eux. Donc c'est départ toutes les minutes. On aura le départ assez écarté pour que les C2 puissent faire l'ensemble de leur course sans, sans être gênés les uns les autres. Et là on voit du coup les C2 de Beaumont qui arrivent dans la difficulté du parcours 15-16. Alors ça n'y paraît pas, mais avec les bras qui commencent à piquer, c'est un passage qui est assez compliqué à faire. Jérôme Blanchet les a gratifiés d'un passage assez compliqué. Voilà, hop, voilà. Voilà, donc un petit peu de certains endroits du bassin. Mais c'est une ville où il y a de la pluie très locale. Il faut faire attention les Marseillais, on n'a pas l'habitude par chez vous. Et là, sur le haut du parcours, on a un C2 qui a quelque peu visité le premier contre pour aller chercher sa porte numéro 1. Ce C2, on le récupère. C'est Delage, Sophie et Bob Christian de Poitiers du club. À la seconde place, nous avons Delphine Brunet, Samuel Bonvalet du club sportif Beaumont-Tré. Champions de France Pro, Émilie Chamoulot et Christophe Paréchal d'Angoulême CK. On les applaudit, on les applaudit.